déplace le rêve vers sa chute future, sombre ou non autour du fil de la lumière aveugle. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère du poème qui m'a trouvé et aussi c'est surtout la contradiction des deux derniers mots du poème, lumière et aveugle. À cette image dans la pièce, il y aura donc deux types d'écriture très contradictoires aussi. Dans le premier, j'ai essayé de créer une fusion vraiment des deux instruments, de la clarinette et du piano. Ils s'entremêlent constamment. La matière sonore est en perpétuel mouvement, très expressive, et elle progresse vers une sorte de lumière très intense, un éblouissement. Et le deuxième type, d'écriture, est beaucoup plus statique, comme un peu perdu dans une sorte de brouillard. Chaque instrument a son propre discours, très solitaire.